Quoi de mieux que d'être au Fort Chambly avec un paradis d'automobiles et de replonger dans l'histoire dans les années 60, les années 67, avec les filles de l'époque en plus, qui ont vraiment pas vieilli. Valérie, ça va tellement bien, les années 67. Merci beaucoup, Bertrand Godin, restez avec nous. C'est un plaisir de vous recevoir, Bertrand Godin, chroniqueur, courseur automobile reconnu, porte-parole du Salon de l'Auto de Montréal et surtout, co-président d'honneur du concours d'élégance de voitures anciennes de Chambly. Bienvenue parmi nous! C'est génial, vraiment. On est content. C'est vraiment, moi aussi, je suis heureux parce que, bon, et tout le monde est heureux. Les gens qui viennent découvrir les voitures, l'histoire qu'il y a ici, il y a une richesse en matière d'automobile incroyable. On voit des technologies. Chaque voiture a une âme, une histoire. Il y a des gens qui ont leur voiture depuis des décennies. C'est du grand-père au père au petit-fils. D'autres qui ont fait des recherches incroyables pour trouver les voitures, les restaurer de A à Z comme si elles sortaient de l'usine. Donc, pour moi, là, c'est vraiment tout un plaisir, en plus d'être co-président d'honneur avec nul autre que Rob Duval, qui est celui qui nous a initiés, il a été une source d'inspiration, Rob Duval, et il nous a éduqués en matière d'automobile, et d'être avec lui, pour moi, c'est un grand jour. Hey Valérie, tu te retrouves dans la voiture qui a été dans le kiosque de l'Allemagne en 1967. Tout à fait. Super Mercedes. Puis ce qui est intéressant, c'est de voir vraiment toutes les boiseries à l'intérieur. C'était avec les volants d'une finesse extraordinaire. Ah non, c'était vraiment là, ça te va tellement bien. Ça te va superbement bien. Ah non, mais c'est ça, hein. Ici, là, toute la journée, on va avoir combien de voitures on attend entre nous? On peut espérer là, 450 voitures, si c'est pas 500. Il y a des années qu'on doit fermer le site tellement on a des propriétaires heureux de venir se joindre parmi nous sur le bord de la rivière Richelieu au Fort Chambly. C'est magnifique, on s'entend. Alors, Les gens qui vont pouvoir profiter justement parce que les propriétaires sont très généreux de donner de l'information. On peut les rencontrer, on peut jaser avec eux. On peut casser la croûte, on a Baby Boomers Band en prestation aujourd'hui, on a beaucoup d'actions, des exposants, d'un art de restauration, de l'animation pour les enfants, des mascottes, du maquillage, des amateurs de vieilles voitures, du public. C'est vraiment là un des plus beaux concours d'élégance de voitures anciennes au Québec, qui se passe au Fort Chambly, organisé par le VAB Voitures anciennes du Québec. Et quand on a la chance en plus de pouvoir embarquer dedans, c'est ça. Merci.